Hello, aujourd'hui on est jeudi et du coup je vous fais un petit récap de aujourd'hui. Hier on n'a pas fait grand chose, on est resté dans l'auberge après notre journée en ville. Donc c'était assez tranquille hier soir. Il faisait super chaud donc un peu compliqué de dormir. Et puis ce matin ce qu'on a fait c'est qu'on s'est baladé dans la ville un petit peu. On s'est posé pour manger et après on a récupéré nos affaires pour prendre le bus direction Noosa. Donc on a eu 2 heures de bus et on est arrivé ici. Là on est dans une pièce où on est 10. Donc on est monté crescendo, c'est-à-dire qu'au début on n'avait personne dans nos chambres et après 6, 8, 10, donc voilà. On a fait, c'est qu'on est arrivé, on a déposé nos affaires et on est allé voir le coucher de soleil à la plage. C'était vraiment très très cool. Genuinely, is he okay? I'm a bit worried. Oh, he's trying again. What is that? Is that a stand-up paddle or is that a kayak? Oh, the wave! Oh, he made it. Fuck yeah. Come on, Patrick. Yeah. Oh. Why did we call him Patrick? Chodo. Ooh. I feel like he's gonna fall again. He has a backpack, so he missed a backpack. He was in the water. No, but where do you think his next adventure is? Because he's got a backpack. Where is he going? He's sitting. Oh my lord. Fucking hell. Where is he going? Oh my god, he does not look stable at all. Oh no. Oh, Patrick. No. Please. Oh no! Et puis là, on va faire un karaoké ce soir. Donc on attend, c'est dans une demi-heure. Demain, on va faire une balade le long de la plage. Rester à la plage. Et puis on verra les jours à suivre. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à raconter. C'était assez chill. Bisous. Hello, aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une balade le long de la plage on a fait ça, c'était une balade d'à peu près une heure et demie donc on a fait ça, puis après on est resté à la plage, on n'a pas fait grand chose.
Et hier soir, il y avait une soirée karaoké, donc on a passé la soirée au bar qui est juste en bas de l'hostel où on est, donc ça c'est vraiment trop cool. Très très cool, on a chanté avec Monique, on a eu la foule qui était avec nous et qui chantait avec nous, donc ça c'était ouf. Et donc voilà, non, franchement c'était une super bonne soirée. Là ce soir, je pense qu'on va pas faire grand chose, on va plus se reposer et demain on verra bien le programme. Juste tout à l'heure, quand on était à la plage, on a entendu une alerte requin, donc tout le monde hors de l'eau, personne pendant l'eau pendant 15-20 minutes jusqu'à ce que ce soit écoulé, soit assez long pour dire bah c'est bon, il est parti. On est à la plage et ils viennent de nous dire qu'ils ont repéré un requin là-bas. Il y a plein de kitesurf qui y sont, donc ils ont demandé à tout le monde de sortir de l'eau. Donc voilà, mais sinon ici c'est vraiment trop cool, ça fait un peu penser à Byron Bay dans le sens où il y a une vibe très, très vacances quoi, donc c'est vraiment top. Mais heureusement par contre que le bar nightclub là il ferme à minuit parce que nous on est juste à côté, du coup on entend tout. Non franchement c'était grave cool, donc on verra bien, on va jusqu'à dimanche là de toute façon. Donc là, on a une petite cabane. Voilà. Et là, on a aussi une petite cabane. Tout est fermé. Hello. Aujourd'hui, on est samedi et du coup je vous fais un petit résumé de la journée d'aujourd'hui, même s'il n'y a pas grand chose à raconter en soi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé la journée à la plage. Seul un petit truc qu'on s'est rendu compte là ce soir, c'est que normalement en fait la veille du changement d'hostel, on s'enregistre en ligne et donc là comme tous les soirs j'envoie le lien à Monique pour l'hostel qu'on change demain. Et elle me dit, ah mais c'est pas celui-là, c'est celui dans 2 semaines ou dans 1 semaine. Et je lui dis, bah bon, t'es sûre et tout. Et en fait, on regarde et je sais pas pourquoi, on n'a pas booké l'hostel qu'on doit prendre demain. C'est-à-dire que demain, on part pour Rainbow Beach. Et en fait, on a un tour de 3 jours qui démarre mardi. Et en fait, je sais pas pourquoi, on n'a pas réservé d'hostel. Je pense qu'on a zappé parce que justement on avait ce tour d'organiser à partir de mardi. Donc on commence un peu à paniquer, enfin surtout moi, on regarde en ligne etc, on trouve zéro dispo, on a des Airbnb qui sont à 350-400 $ à 2 pour 2 nuits, donc clairement ça fait un peu cher. Et au final j'en ai trouvé un où c'est à 288 $ pour 2 nuits à 2. Donc c'est un peu le double du prix. Après forcément la veille pour le lendemain, on s'attendait un peu à ça, mais du coup on a réussi à en trouver un pour la nuit de demain et celle du lundi. Donc voilà, sur le principe c'est un peu chiant parce que bah ça nous fait payer plus d'argent alors qu'on fait déjà assez attention. Mais bon, c'est comme ça, vaut mieux ça que être à la rue. Et puis voilà, ça arrive à tout le monde parce qu'on avait beaucoup de trucs à booker et du coup là on avait zappé quoi. Mais du coup voilà, là ce soir rien de particulier, rien de prévu. Demain on part du coup, mais on a notre bus qui est à 4h. Donc ce qu'on va faire c'est que on va rester à l'hostel où il y a une piscine et on va rester là jusqu'à ce qu'on ait notre bus à prendre. Et puis après on partira pour notre destination prochaine.